Les astuces. C'est Colette, quel sens pratique. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Mes amis ont voulu vérifier l'adage. Imitant donc Icare, le héros, un beau mec. Ils se sont envolés jusqu'aux rives grecques. Mais Vulcain, contrarié, souffla la fumée noire de l'Eyafion. C'est là que commence l'histoire. Conduit par notre Ulysse, notre fier Éric, en ferry ils firent un périple homérique. Nos héros fatigués comptent leur odyssée, leurs souvenirs de Chypre où ils ont abordé. Et Delphine, debout, bien qu'elle soit bien lasse, peut diriger Agapissa Tintoukarkias. Voici l'état des troupes après un 21e du trajet, c'est-à-dire 16 km. Nous venons d'effectuer les deux 21e du trajet, soit 32 km, et tout va encore très bien. C'est les gens de France, c'est les gens de Douze, qui sont de bons, sont de bons enfants, des enfants. Les quatre 29e du trajet sont accomplis et tout va encore bien. Des conneries, écoute, à Paris, dis-lui. Nous avons désormais effectué les 24-29e du voyage. Malgré une nuit de sommeil parfaite, dans les couloirs, les cabines. Les dieux sont apaisés. La riante Italie offre une douce escale à nos vaillants amis. Nous avons effectué les 29-29e de la traversée. C'est extrêmement bien passé. Tout le monde a été admirable. Mais nos héros sont presque rentrés à Ithaque, d'où ils étaient partis un peu après la Pâque. Les voilà à Macon. Et nous voici à Bouze, au pied du monument, à Jean-François Lottier pour son arrangement des gens de Bouze qui, qu'on le dise en passant, malgré les racontars, restent de bons enfants. Il y a un chat errant dans l'eau.